S'il vous faut quelque chose en métal, vous avez étrillé la compagnie, gagné en infamie et acquis le respect des autres pirates. Mais vous ne ressemblez à rien. Allez voir Florentine à l'atelier, elle vous donnera belle apparence. Vos vêtements commencent à être dignes de votre réputation. L'eau de mer, c'est écœurant. Très bon choix. Revenez quand votre bourse sera remplie. Comment va la vie, pirate? Vous avez visité l'atelier, mais la tenue ne fait pas tout pour un pirate. Augmentez votre infamie pour vous hisser au-dessus des autres. Vous aurez accès à des missions plus risquées et rapportant davantage. Si certaines sont trop difficiles, je vous forgerai de quoi en triompher. Continuez comme ça, et même les Kingpins comme Skurlock vous remarqueront. Apportez-moi du butin et je vous fabriquerai des armes qui terroriseront Neptune en personne.
Rappelez-vous, on ne se connaît pas. Ah, bien. On va pouvoir améliorer ce qui vous sert de bateau. Filez, avant que votre navire s'en aille. Notre champ-foutre de capitaine a perdu notre navire. Un bon capitaine respecte ses engagements. Mes mains, regardez-moi. Hé, hey, fais attention à ce que tu dis là-dedans. Grâce à Capitaine Bon-à-Rien ici présent, j'ai ces chiens de Français aux trousses désormais. Qu'on m'en débarrasse. J'ai un besoin urgent d'un nouveau capitaine. Il paraît que tu as maintenant autre chose que ton baquet percé, et on parle de tes exploits. Tu as vu mes navires au port? Sais-tu où ils s'en vont? La cale remplie d'épices, d'ambre gris et autres merveilles? À New York, ma petite crevette. Et en échange, cette face d'éponge de Chuling me donne tout l'argent, les vivres et les armes qu'il me faut. Tant que ce tas de viande reçoit ses marchandises, j'ai les coudées franches sur cette île. Je contrôle les flux d'argent et ne fais de courbettes à personne. Cherche fortune avec moi, et nous amasserons un butin dépassant la richesse des nations. Survie, et tu auras assez de pouvoir pour faire de nous des partenaires ou des rivaux. Cette chance te tente, crevette? Saisis-la. Mais ne me donne pas une raison de tâcher un autre tapis. Leur prix ne cesse d'augmenter. Maintenant, dépêche-toi de partir en mission. Je veux que tu ailles apporter des armes à mes alliés, le peuple de la mer. Ils ont des informations, rapporte-les-moi. Le peuple de la mer et moi avons un accord. Si je fournis les armes dont il a besoin, je dirige librement ce port. Il est depuis longtemps en guerre avec le clan de Farah. Alors méfie-toi. Des navires de Farah chercheront à t'avoir. Je l'exploite. Mais si je ne lui vendais pas d'armes, le clan de Farah aurait depuis longtemps anéanti le peuple de la mer. Des membres du peuple de la mer vendent des biens, d'autres des informations. Tant que la guerre continuera, cet accord tiendra. Alors, apporte à ces gens assez d'armes pour se battre, mais pas pour l'emporter. Nous tenons une belle vache à lait, crevette. Laissons-la brouter.
Continue sur cette lancée. Il ne faut jamais faire confiance à un pirate. L'honneur en voleur, ça n'existe pas. Quand est-ce que vous repartez déjà ? Il nous faut plus de nécessaires de réparation. La mer nous appelle, Capitaine. Allez, donnez toute la voilure! Les alliés de Scurlock ne sont pas légion, c'est ainsi. Donnez ces armes au peuple de la mer et ils chanteront vos louanges. La grande menace, là-bas! Nous n'aurons pas à redresser cette tempête! Marche, là-bas! Déployez toutes les flammes. Amenez-nous à eux et nos lames nous en débarrasseront.
sa valeur. Il ne risque pas d'oublier d'être appelé. Hé, hey, hé hey. C'est à nous, ça. Capitaine, un avant-poste. À la trompe, Capitaine. Voilà l'occasion de nous ravitailler, Capitaine. Bonjour. Ce sera utile. Je pense que nos reliques perdues inspireront notre population et guideront son avenir. Laissez les vagues vous guider. Thank you.
J'ai des marchandises à vendre. Retourner en mer, Captain. Il faut augmenter la poilure. Et soyez sur les voiles.
notre colère. Devrait résonner plus fort que celui de Skurlock. Sa légende ne doit pas. Thank you.
Oui. Merci, Captain. Chasser la faune sauvage n'a rien de facile. Vous sentez-vous à la hauteur ? Que la chance vous accompagne. De maître des quais exige une plus grosse part. Occupez-vous de vos affaires. Alors, Captain, on embarque ?
La mer nous appelle, Capitaine. On répond ? Tant que le peuple de la mer reste en guerre, Scurlock gagne de l'argent. Qu'est-ce que je vois sur votre navire ? Un singe ? Tu as vu les ruines de la Nitra ? Cet endroit a rapporté gros. Cherches-tu ce qu'il y avait sur le Shadow ? Inutile. C'est à présent bien plus loin d'ici que le lâche qui l'a volé. On parle de Uriko Freeman comme d'un héros, un combattant de la liberté. Ce n'était qu'un charlatan. Il nous a vendu un mensonge. Ce serpent n'a jamais voulu partager le trésor. Code des pirates, mes fesses! Et son équipage, alors? Quelques-uns ont fini au bout d'une corde, et les autres ont disparu. Où qu'ils soient, je suis prêt à parier un mois de bénéfices qu'ils vivotent en haillons, les bottes couvertes de chiasses. Ma mission lors de ce vol était d'approvisionner l'Anitra en armes et en vivres. Une fois mon rôle rempli, Freeman m'a écarté. Le bon John Scurlock n'a pas mis la main sur une miette de ce trésor. Mais un jour, le repère de Sainte-Anne sera bien plus grand que la Nitra. Et c'est mon nom à moi qui sera sur toutes les lèvres.
Ce que tu as rapporté mentionne un accord commercial entre les Français et Pharah. Des agents de la compagnie s'assurent les grâces de Pharah par des armes. Mais pourquoi... pourquoi ceux de Pharah s'abaisseraient-ils à devenir les pantins des Français? Il doit y avoir autre chose en jeu. Cette alliance est une grave menace. Il faut lui tordre le cou. Crevette, tu as l'esprit diablement mal tourné. Je pensais tout comme toi. Mais si le clan fricote déjà avec la compagnie, il va falloir déclencher une querelle d'amoureux. Mes deux ennemis comptent Fleurette, et les marchands du peuple de la mer sont au courant avant moi. Mes agents seraient-ils devenus aveugles et sourds? La compagnie frétille dans l'ombre, tandis que les rayons du soleil nous éblouissent. Tu as fait du bon travail. Quand j'aurai fini d'extraire à coups de talon les informations, je te confierai une autre mission. La Compagnie Royale est présente dans les îles Rouges. Leurs navires marchands transportent épices, parfums et objets de luxe volés dans l'océan Indien. Je veux que tu voles à ton tour ces prétentieux. Ils nous méprisent, ils nous dénigrent. Va donc les piller et sois plus terrible que la grande peste noire. Tu es libre de leur prendre la vie. Mais leurs marchandises me reviennent. Les exigences de Tuling sont un fardeau que le commerce seul ne peut porter. La compagnie est une belle cible, lente à réagir et haïe de tous. Alors, agissons en pirates. Et allons-nous-en arracher la cuillère d'argent de la bouche de tous ses membres. Au travail, crevette! Va, le destin t'attend.